Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension. T'invite dans ma dimension, bienvenue dans mon monde, dans un endroit très lointain, plonge au cœur du côté sombre, un univers paradoxal, inconnu par la science, aux frontières du réel, j'ouvre les portes de ma conscience, j'utilise mon cerveau, beaucoup plus que la plupart, j'ai été béni d'un don, c'est pour ça que je maîtrise mon art, j'expulse mes démons internes, via des fréquences, je m'exprime à travers des sons, c'est là que je tombe en transe, j'ai un style particulier, à vrai dire incomparable, pas fait pour le commun des mortels, les connaisseurs parlent mon langage, rien à voir aucun rapport avec ce que t'as pu entendre, je suis loin d'être orthodoxe, y'en a pas deux du même genre, il peut juste y en avoir qu'un, sauf fait bien la distinction, parce que je proviens d'une race, en voie d'extinction, mon vibe est pas fait pour la masse, mais je me crisse de qu'est-ce qu'on pense, soit ça que je reste underground, j'suis pas la tendance. J'ai un faible pour le culte, sur ça que j'aime aussi glauque. Attiré par la noirceur, j'connais pas rien d'autre. J'vois qu'avec le paranormal, un penchant pour les ténèbres. J'ai de longues conversations avec mon frère Evil Seb. J'ai des gestes remplis de mélancolie, faut que ça sorte comme du sperme. J'ai des monstres qui m'habitent dans mon système, qui m'amènent. La seule façon d'alléger toutes ces pensées malsaines, c'est de mettre ça sur papier, pis règle toute ma peine. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la quatrième dimension.